incroyable. Oh, la sec, la sec, la sec. Oh, alors, ne t'arrête pas. Et bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore et toujours en présence de la Sidi Kerrigal, maman, en cette belle après-midi. Quoi dire de beau aujourd'hui? Après avoir explosé mon précédent world record sur la Nordschleife avec la fameuse Capri Group 5 d'époque, je suis tombé sur une annonce sur Facebook là, les mecs qui font des records aussi sur le NURB quoi. Mais cette fois c'était au volant d'une GT3 RS, donc j'ai envie de te dire, je me suis inscrit sur le serveur et puis on va aller voir ça, on va aller voir ça. A priori, le record actuel, il est de 6,39. Je vais te redire ça pour être sûr, mais... Tac, tac, tac. Alors, tac. Ouais, 6,39, 376. Donc, on va voir ce que nous, on va aller pouvoir faire, Titi, avec cette petite GT3 RS des familles, l'équipe qui régale. Sur ce... Bah, j'espère que ce petit hot lap vous plaira. On va essayer d'exploser ce record world. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max. Et à tout de suite, l'équipe. Bon, l'équipe, on est reparti. Alors, après pas mal de réglages, de fois, de tests sur cette caisse-là, du bias, des trucs et tout. D'ailleurs, on va vérifier, ouais, c'est bon. De tests, de bias, enfin bref, de plein de trucs différents. Pression des pneus et tout, parce qu'en plus, là, c'est pas mes tours de hot lap d'habitude, c'est en pit limiter. Ça veut dire, on part du pit et. Comment ça s'appelle? Tu dois faire un tour et ensuite t'enclenches ton tour. Donc, calcul de l'essence pour que le deuxième tour, le réservoir, soit le plus vite possible et tout. Bref, truc à la con, entre guillemets, quoi. Donc là, j'ai vidé le réservoir au maximum. On va partir, même si les pneus ils sont en train de refroidir, mais c'est pas grave. En plus, faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo, j'avais tapé un tour, je l'avais battu le record qu'ils ont tapé, bordel de merde. J'avais fait 6,37 et des miettes, quasiment 6,38, mais tout juste en dessous, 6,37, il faut que je regarde, je sais plus, on le verra tout à l'heure. Et va savoir pourquoi je regarde sur leur serveur, putain, le chrono il est pas en haut. Parce qu'en fait, je sais pas comment c'est foutu leur serveur là, comparé au mien. Il n'y a pas de pit de track limite ou quoi, genre là, le chrono, même si tu vas dans l'herbe, il te l'annonce pas. Rouge, alors il m'a dit faut télécharger un truc PD track, je sais pas quoi. J'ai dit bon, laisse tomber, on va rouler, on va essayer de rouler ultra propre et de pas aller aux limites, même si on tombe un peu moins. J'espère être quand même un peu mieux. On va voir. Hein. En plus, je m'étais foiré déjà quasiment au premier virage de quand j'ai fait mon ancien chrono. Donc, je pense que même en roulant propre sans se foirer, je pense qu'il y a au moins possibilité de refaire le même temps. Donc, bon, on est parti. On va voir ce qu'on peut faire, l'équipe. C'est parti. Bon, on va essayer de pas se foirer, hein. Parce qu'elle est joueuse sa mère. En fait, là, j'ai fait un truc, elle tient un peu, mais hein, ne serait-ce qu'un petit rebond de cul, mais pas cette ligne directe. Allez, c'est parti. C'est parti l'équipe. On tient une ligne, faut pas qu'on mange les livres. Parce que du coup, je sais pas. Ligne, pit, track. Ah, c'est horrible, du coup c'est pas mes trajectoires de d'habitude quoi. Là je mange dessus et tout. Putain. C'est horrible.
T'as le retour de force en pic. C'est affreux, je trouve ça laïque. Et en plus, j'ai dû aller jouer au max avec l'essence, parce que vu qu'elle est beaucoup, beaucoup plus lourde que la Capri, elle marche moins, tu vois, elle est moins nerveuse au ressenti. Et je le sens direct. Là, on est pas mal pour l'instant. Elle veut partir du cul, je me bats avec le volant, faudrait que je mette une caméra derrière moi, vue volant. On voit, parce que là, de face, je pense pas qu'on voit. Putain, j'ose pas, je décélère parce que j'ai peur de manger un poil de vibreur avec le pit, il me dégage. Waouh, comment on va partir? Putain! Je fais des blocages de con des fois pour rien. On rattrape en justesse. Oh, ça m'a fatigué les bras. Oh, le retour de force en pique sur cette caisse, il est hard. Putain, il veut partir, mais c'est abusé. Là, faut pas se faire baiser avec ce... Toujours peur qu'elle... souffle là. Ouais, par choc, il y a tout qui touche là-dessus. Putain, je relâche les cases à chaque entrée de virage parce que j'ai peur de quel souvenir et de manger de vibreur. Ça passe à fond, presque. Ah, j'ai trop peur de m'approcher du vibreur. Et que le track limite, il me baisse. Je ne sais pas quand il est. Bon. Ouah, reste là. Putain, merde. Elle est hard parce que j'ai horreur de ces caisses là parce que c'est vicieux, ça veut dire elle tient sa mère, mais à le moindre petite imperfection bosse et le cul il veut dégager. Et du coup tu la perds total. Mec, je transpire. C'est abusé, comme je la perds dans tous les sens. Allez! Horrible. Oh, les pneus,
il s'use à une vitesse en plus, il n'y a plus de pneus. Tu... Yes l'équipe. J'ai battu le temps de tout à l'heure. Bon, après j'ai fini vraiment avec moins d'essence. J'avais modifié encore un peu. Donc j'ai vu sur la vitesse de pointe, j'ai réussi à prendre 2,80 quasiment, je crois. 2,80, ouais.